Si tu fais partie de la moitié des salariés français qui télétravaillent, toi aussi, tu t'es peut-être déjà dit « je prends pas la voiture pour aller au bureau, c'est bon pour la planète ». Et oui, jusque-là, c'est logique, 7 personnes sur 10 vont travailler en voiture, donc c'est autant de CO2 qui n'est pas émis quand on est en télétravail. Autre avantage, par exemple, tu n'utilises pas de gobelet jetable à la machine à café quand tu es chez toi. Mais l'agence de la transition écologique, l'ADEME, a publié un rapport qui montre que oui, on ne va pas au bureau en voiture, mais à côté de ça, on fait plein d'autres déplacements. Car télétravail ou non, on va quand même emmener ses enfants à l'école, puis après on va revenir chez soi, puis après pourquoi pas aller à la salle de sport ou faire ses courses. Tous ces à côté, c'est ce qu'on appelle des effets rebonds. Et parmi eux, il y a le numérique, responsable de 4% des émissions de gaz à effet de serre dans le monde. Car qui dit distanciel dit réunion en visio, et là non plus, c'est pas mieux. Chaque personne en ligne va émettre 1 gramme de CO2 par minute. Et autant te dire que c'est énorme, si on prend 10 personnes connectées pendant environ 1h30, ça fait 900 grammes de CO2 émis, c'est autant qu'un trajet de 5 km en voiture. Tu l'as compris, ça annule le fait de ne pas aller travailler sur place. Alors pour limiter ton impact, tu peux par exemple couper ta caméra en visio ou te connecter à un réseau Wi-Fi bien moins énergivore que la 4G. Finalement, l'ADEME est claire là-dessus, le télétravail a bien un impact positif pour l'environnement. Et toi, est-ce que tu fais tout ça quand tu télétravailles ?